L'objet de cette leçon est de découvrir les séparateurs et l'utilisation de la balise HR. Alors, comme d'habitude, nous ouvrons notre pad plus sur une demi-fenêtre et sur l'autre demi-fenêtre, un navigateur. Ici, c'est le navigateur Chrome. Une petite place sur le bureau pour que le fichier que nous allons générer puisse être utilisé. Alors, comme d'habitude, nous allons faire langage et vérifier que nous sommes en HTML. Donc là, nous ne l'étions pas. Nous le validons. De la même manière, nous allons aussi choisir l'encodage en UTF-8. Voilà. Donc, nous allons commencer cette balise HR. Voilà. Et maintenant, nous allons voir les attributs que l'on peut mettre à cette balise. Parce que, en tant que tel, donc, si on fait fichier enregistré sous, on va l'appeler HR-HTM, n'oubliez jamais le HTM. Enregistré. Voilà. Si je ne mets pas d'attribut, j'ai une ligne qui court sur mon navigateur, sur la fenêtre de mon navigateur, mais ça m'apporte pas grand chose au niveau donc des dimensions, des positionnements, etc., etc. Donc nous allons voir tout ça. Premier attribut possible, c'est l'attribut donc size, c'est-à-dire l'épaisseur. Alors l'épaisseur est en pixels. Donc, nous allons commencer par mettre une épaisseur moyenne, 25 pixels, pour voir ce qui se passe. J'enregistre. Et ici, donc, je vais rafraîchir ma page. Voilà, vous voyez. Il est apparu, donc, une ligne d'une épaisseur de 25. Un autre attribut qu'on peut mettre à côté ou à la suite. Pour être plus clair, on va le mettre à la suite. On va se faire un petit copier-coller. On va rester avec la même épaisseur et je vais rajouter un attribut, donc wide. Alors là, j'aurais deux possibilités, soit en pixels, soit en pourcentage de la fenêtre. Alors, on va commencer par le pixel, on va peut-être mettre 150 pixels. Donc, il s'agit donc ici de la longueur. Donc, l'attribut white permet donc la longueur du trait qui va apparaître dans mon navigateur. Sauvegarde. Rafraîchir. Voilà, donc j'avais toujours dans le premier exemple puisque je ne l'ai pas effacé. Et voilà le deuxième. Le deuxième, donc, reprend la même épaisseur, mais par contre, vous voyez, on a une largeur qui fait 150 pixels. J'aurais pu mettre, mais je voulais que ça soit 50% de mon écran qui soit occupé. Allez, alors, utiliser le pourcentage est quand même plus intéressant parce que vous ne maîtrisez pas les dimensions de l'écran de votre client, c'est-à-dire votre client, c'est celui qui va lire sur son navigateur votre programme. Donc, compte tenu que vous ne maîtrisez pas ces dimensions, de mettre un pourcentage, vous êtes toujours avec quelque chose de proportionnel par rapport à ce que vous, vous avez décidé de construire. Donc, le pourcentage me paraît plus intéressant que les pixels. Ensuite, on va laisser les mêmes valeurs, copier, on va faire une ligne supplémentaire, et on va rajouter un autre attribut, c'est l'attribut d'alignement. Alors ici aussi, il y a plusieurs possibilités, on peut aligner à gauche, on peut aligner à droite, on peut aligner au centre.
donc évidemment on est en anglais, left, je sauve, et je rafraîchis. Voilà, donc je suis bien à gauche, c'est normal. Fichier, copier. Oui, quand on fait de la programmation, on devient un spécialiste du copier-coller. Alors ici, on va reprendre les mêmes attributs que la ligne précédente. Simplement, on va mettre un positionnement différent. Et on va mettre à gauche. Enregistrement. Rafraîchir. Voilà. Encore une autre possibilité, c'est de mettre tout simplement au centre. Voilà. Une autre balise. Copier celle-ci. Une autre balise, non, je dis une bêtise, un autre attribut. Mais simplement pour mémoire. Voilà. L'attribut Notion, qui de toute manière est obsolète puisqu'il a été remplacé par les CSS qu'on verra plus loin, et surtout parce qu'il n'est plus pris en charge à partir du HTML4. Donc c'est pour mémoire, vous saurez que ça servait en théorie à pas d'ombrage, que ça servait en réalité à transformer un petit peu la couleur, mais que de toute manière c'est plus utile et c'est surtout plus reconnu en HTML4. Bon, quand on a fait tout ça, on peut évidemment rajouter des choses qu'on a, nous, déjà utilisées. On va enlever nos shades et on va le remplacer par color, par exemple. Égal. Et on met la valeur hexadécimale. Ici, on va choisir un bleu, par exemple. C'est la couleur qu'on se rappelle bien de mémoire, parce qu'elle n'est pas compliquée au niveau de son codage hexadécimal. Voilà, sauvegarde. Et voilà, donc, les possibilités d'utiliser la balise HR, c'est-à-dire un séparateur dans votre page. Voilà, la leçon est terminée.